is to get yourself a lawyer, not Davido's lawyer, your own lawyer. You have to draft a paperwork stating that if Davido keeps cheating on you, Davido continue de tromper Chioma. Chioma doit chercher un avocat très très compétent, oui, au Nigeria. Ils vont aller faire les papiers. Davido doit signer que s'il continue à faire ses marches de gauche et à droite, Chioma aurait 80% de ses biens. Mamma mia, la table est en train de tourner. Oh oh, la famille, j'aimerais vous saluer, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore sur cette chaîne, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner sur cette chaîne. Aujourd'hui, nous revenons avec un update, une affaire à suivre concernant notre tonton préféré Davido aka OBO et sa femme Chioma Roland. Comme nous tous nous le connaissons, on nous a dit que Chioma, présentement, elle est chez eux. Et c'était bien quand même, c'était bien pour elle d'aller se reposer et tout, auprès de sa famille, ok? Vu tout ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux. Mais c'est un Nigérien, c'est un blogueur, même Ballpink qui était déjà, bon, elle avait pris un petit repos sur les réseaux sociaux. Vous connaissez Ballpink, non? Il fut des années, je pense que c'est 3 ans ou 4 ans comme cela. Bon, apparemment, elle était allée se reposer. Elle est de retour. Elle a fait une vidéo qui fait le tour des réseaux sociaux, qui est vraiment virale. Et en tant qu'une Miss Congo, ça, j'aimerais aussi que vous écoutez cette vidéo et vous me dites en commentaire si Ballpink a raison ou pas. Mais pour moi, je vois que Ballpink, elle a raison à 100%. Et Ballpink dit ceci: Chioma, tu es ma soeur Ibo. Chioma, ne fais même pas comme si tu veux partir quelque part. À l'heure là, mon conseil pour toi, c'est de chercher un avocat compétent au Nigeria. Et vous allez aller signer les papiers, Davido et toi. Davido doit signer que s'il continue de faire ses marches à gauche et à droite, tu aurais 80%, tu dois prendre 80% de ses biens. Et quand elle parle des biens, elle parle de l'argent en banque, des maisons, des terrains, tout ce que Davido a à son nom. Chioma doit prendre 80%, pardon. Alors, les gens ont beaucoup apprécié ce que Ballpink a dit comme conseil, en disant que voilà un bon conseil. Parce que si un homme sait que le voilà qui allait signer un papier, il doit faire tout son possible pour ne même pas mougou à gauche et à droite. Elle a encore donné un conseil à Chioma. Que Chioma, pardon, que si Davido retourne là, n'ouvre pas ton paradis directement. N'ouvre pas ton tout directement pour dire que oh, c'est pour toi, entre. Que non, que ne fais plus ça. Que comme il t'a déjà prouvé que tu ne peux pas être avec lui sans qu'il ne mougou à gauche et à droite et que tu ne peux pas être sa seule femme, que s'il rentre là, prends-le. Que ne partez pas le docteur de Davido, que ne partez pas là-bas. Que prends Davido, tu l'amènes chez ton docteur. Je fais juste une traduction de ce que Ballpink disait dans la vidéo. Hein. Que prends le Chioma, tu l'amènes chez ta part de docteur. Pour qu'on puisse l'examiner, on puisse faire les tests. Parce que là où Davido est là, il peut avoir beaucoup de... c'est pas de la bouche de Jésus que ça va sortir. En plus, elle a dit, elle n'est pas en train d'affirmer que Davido, il a déjà les petites maladies que vous connaissez là, mais que c'est très très important pour la santé de Chioma même, de prendre Davido, l'amener chez Chapa de docteur pour qu'il puisse faire un petit examen sur lui, vu que son pétou ou bien son plantain ne reste pas sur place, ok? Et moi, je trouve ça bien, parce que vous voyez, Chioma, c'est une fille posée. Selon ce que Davido nous a dit et selon ce que nous avons vu à travers les réseaux sociaux, que Chioma, c'est une fille bien posée, c'est une fille qui ne mange pas à tôt et à travers. Donc, ce qu'elle doit faire pour protéger son corps elle-même et l'avenir de son enfant, c'est que si Davido rentre, vu que les filles qui sont sorties, précisément celles qui sont aux États-Unis, bon, à travers des vidéos qu'on a vues sur Twitter et partout qui ont circulé, on sent, et même ces photos, bon, et même ce qu'elle nous a dit, que bon, c'était son passé, c'était une, on appelle ça quoi, hein, je ne vais pas mettre vendeuse de pyramide, mais bon,
Elle faisait des vidéos, des trucs. Donc, vous voyez les grandes. Vous connaissez que dans le vendage de piment, il y a vendeuse de piment, vendeuse de piment, hein, oui. Donc, apparemment, pour elle, alors, c'était du genre haute qualité, où je vais mettre ça comment. Elle avait aussi un truc qu'on appelle OnlyFans. Donc, vous vous inscrivez là-bas, vous venez voir, bon, comme un film P, non? Donc, les gens disent que celle-là, alors, apparemment, elle a déjà eu à Mougou des plantains et des plantains. Allez, qu'elle a déjà eu à, que peut-être on ne peut même pas compter le nombre de plantains qu'elle a eu à Mougou. Donc, ce qui fait que Chioma doit rapidement amener Davido chez un docteur pour qu'on puisse l'examiner, vu que ce n'est même pas seulement une personne, ni deux, ni trois, ni quatre, que Chioma vraiment doit faire le nécessaire pour sa santé à elle-même. Et que pour les histoires de biens et tout et consorts, comme ils se sont mariés légalement là-bas au Nigeria, ce qui fait que tous les biens de Davido et tout, qu'elle ne reste pas à la maison un jour comme cela, une autre femme sort là-bas, dire que, oh, j'ai l'enfant avec Davido, ce qui fait que, ah, 20% revient à moi et tout, non, 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 non. Les soeurs de Chioma, même Bolping est sorti, dit que non, normalement, à sa laisse là, qu'ils vont aller faire les papiers là. Le Jacques, s'il met seulement son pied dehors, que panque Mougou là, 80% de ses biens là, pam, c'est revenu à Chioma. Et c'est clair. Je vois que c'est le système là que Chioma doit prendre parce que trop, c'est trop. Un homme qui ne peut pas garder son plantain entre ses jambes, il peut marcher comme cela. Je connais beaucoup de femmes qui sont restés qu'à la maison là-haut, on est venu les servir, les bas ceci, ceci là-haut, les bas maladies comme cela là-haut. Donc, c'est mieux pour Chioma, parce que demain là, vous pensez que quand la maladie te prend, tu deviens homme. Donc, tu restes comme ça, tu commences à regarder les gens que, oh, si je savais. Donc, c'est mieux pour Chioma de sécuriser d'abord ses biens pour ne pas sortir perdante en tout. Ça, c'est une sagesse que les gens ont donnée à Chioma. Que s'il rentre là, ramène-le directement chez ton docteur. Et que si vous voulez aller chercher l'avocat, ne prends pas que n'utilisez plus toujours, parce que vous tous, vous avez un avocat, toi et David. C'est ce que Bolping dit. Et ce que nous connaissons. Que toi-même va chercher ta part d'avocat, Chioma. C'est ce que Bolping est en train de dire. Que va chercher ta part d'avocat qui travaille que pour toi. Oui, pas que tu dois avoir un avocat avec Davido, non. Que va chercher pour toi et qui doit rentrer, signer les papiers, oui. Le genre, il fait que nyang là, tu prends que 80% de ses biens. Et moi, je trouve que le conseil là, ah, c'est si chic, c'est bien. Si on pouvait faire comme cela, c'est que beaucoup d'hommes ici dehors, ils ne vont même pas réfléchir, aller dehors. Et en Europe même, vous avez déjà vu là où tu achètes une maison en Europe. Tu divorces avec une femme, la femme reste avec ta maison. Tu continues même encore à travailler dehors. Et tant que la femme n'est même pas encore mariée, tu continues à payer la femme là. Non. L'Afrique, c'est pour cela que je dis souvent que l'Africaine, certains d'eux là, c'est parce qu'ils savent que non, là-bas, on ne les fait rien. Là-bas, non, ils peuvent faire comme ils veulent. C'est un Européen. Ce que David ne peut même pas. Il dit, c'est qui va lire le. The video has been giving us baby mama right, left, and center. And now, my advice for Chioma. Chioma, since you want to be in a cheating relationship, the thing you have to do right now to at least stop it for a prolonged period is to get yourself a lawyer, not Davido's lawyer, your own lawyer. You have to draft a paperwork stating that if Davido keeps cheating on you or still cheating on you, he will give you 80%, not even 50, 80% of whatever he owns. And I'm talking about his assets. I'm talking about the money in his bank account. I'm talking about his shares. I'm talking about everything. You get 80%. And also, before you let him in your humble adore, you need him to go to a doctor, not his own doctor, your own doctor for medical checkup, for STDs. I mean, people don't even talk about that. He's sleeping with different women without condoms. Like, wow, that is very disgusting and wild. You need to take him to your own personal doctor before you open it. Instead, close it and get those information before you let him have sexual knowledge with you again. That's what I'll do. Ew, I'm not gonna be in your shoes. But anyways, that's what you have to do. You have to take him to a doctor so they check if he has chlamydia, gonorrhea. I'm not saying he has it, but you have to check to be safe. And you as well,
you go and get medical checkup every single month because you're going to be with a cheater.